C'est dur de pas se laisser abattre après avoir vu ce train et tous nos espoirs s'écraser contre les rochers. Enfin. Est-ce que nous, est-ce qu'on se lèche après la douche? Oh, oh mais dis donc, ils sont bons, il a des dents propres. Non, 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 fais voir. Putain, on est bon débile, hein. Pourquoi tu fais ça? Mais pour ça, après, il a tout le temps mal. C'est bête, mon loulou. Tu dois pas mettre ta langue, il y a de l'acide. Tu laisses la crème, tu laisses à l'air. Prends son gant, tu le prends sa chaussette. Tu t'es trop arraché la peau là, tu cherches quoi? Tu vas arracher encore plus, ça va tout saigner. T'es débile. Laisse faire, occupe-toi d'autre chose. Fais-nous une petite créa, fais-nous un dessin. Hein? Julie, nous faire un dessin. Oh là là, t'es bêta hein. Fais-nous un drapeau italien. Tu t'arraches la peau comme ça. Non, après t'es mal tout le temps. Non, mais PS, ça donne pas envie d'acheter ton histoire là. Et alors la com, ça va être sur les réseaux sociaux ou la télé? La télé peut-être en fin d'année quand ils seront assez connus. Quand ils auront déjà. Cher encore. C'est quand ils ont un peu de notoriété. Tu sais qu'il y a une pub Fortnite là maintenant sur BFM? Mais comme ça fait, vu l'argent qu'ils avaient, à mon avis ils ont dû payer super cher par rapport au prix qu'il peut être fait. Tu comprends? Mmh. Un pet, il faut que je me remette aussi. Ça va être une pub dans les magazines ou chez Déco? Non, pour l'instant, c'est que dans la presse professionnelle, pour les distributeurs, sur les réseaux sociaux. Magazine de plantes? Et en magasin, des stocks privés, des trucs comme ça. Ils veulent aller en télé au mois d'octobre, mais sous réserve qu'ils aient un taux de notoriété pour côté de l'écran. Ça, c'est une chose d'elle. Ah, c'est normal, tu veux pas utiliser comme ça. Ah, moi aussi, oui, mais moi aussi, j'espère être président milliardaire. Ils ont 60 000 euros cette année. C'est bon, ça fait partie des pourcentages de chiffre d'affaires, ça veut dire. On ne parle pas en vieux. Il y en a un collègue qui m'appelle. Bonjour. Monsieur Marchand ? Oui. Oui, le cabinet du docteur Christian à l'appareil. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Très bien. Merci à vous. Ah bon. Ils savent qu'on est dans l'immeuble. Tant mieux. Peut-être brosser les connards. Prends un masque au cas où, même si je pourrais l'enlever. Je laisse tourner. Hein. J'espère que ça ne va pas me couper le jeu. Dis pas n'importe quoi.
Chut. Mais tu te tais, bordel. Mais tu laisses ta chaussette, putain, c'est un truc de ouf ça. Attention. Tu laisses ta chaussette. Quand je sais t'avant. Je sais, t'as beaucoup. Plus tu touches, plus ça fait mal. Tu comprends ça? Mais non, tu comprends pas. Et tu crois que tu sens beau là? Mes parents crachent souvent sur les gens d'Éden. Mais moi, je les trouve inoffensifs. Bien sûr. Thank you.
encore un peu de chaussettes.
Numéro 7. En tête.
mis un peu en bas droit pour pas que je sois trop fort. Non, j'ai pas chaussette. Ça alors, disons. Ouais. Et sinon, il a commencé un pansement et rendez-vous le jour de la tontinée, le mardi 17, à 14h30. Il n'est pas possible ce chien. J'ai fait les queues, j'ai fait les peaux avec le coupon mu. Mais non. Si. Faut pas lui enlever les peaux, ça le protège un peu, même si elle est, même si la moitié. Non, parce qu'il tire, parce que ça lui touche, ça fait comme ses petits poils de barbe, et ça le caresse comme ça. Mais ça lui a pas fait mal? Ah non, il a bien aimé, et puis il m'a rien fait. Oh, c'est bien. Puis après il lâche un tout petit peu, je fais voilà, maintenant tu baisses. Qu'il soit sous nos yeux là, qu'on le surveille ce qui va se passer. Faux. Faut qu'il soit sous nos yeux là, qu'on le surveille. Ah oui, mais là il prend l'air pour ses cafés. Bah reste avec lui sinon. Ah, mais il y a un jeu qui est encore. Ouais, ça fait du bout de temps le truc, je pense.
sais, on n'aura pas de jardin, mais on pourra mettre une laisse avec Marty, elle fait monter les marches. Mais je pense qu'on pourra quand même privatiser la partie qui bon, est... Bon, ça, tu m'as... C'est ce que t'as dit, là, Jean-Simon, mais l'immeuble ne veut pas, ça n'a jamais été fait depuis 40 ans. Non, mais pas la partie devant, mais l'autre, parce qu'en fait, ça touche à l'autre copro, et pas... Ah oui, bonne idée. Tu vois que, ouais, on va demander, en disant qu'on a des relations, comme les Égyptiens en face, là. Voilà, et en disant que ça, d'un point de vue esthétique, c'est sur l'autre partie de, la copro, de l'autre copro, les ambassadeurs, ouais. Et si on contourne la grille d'aération et les luminaires, peut-être qu'on pourra faire quand même une petite terrasse surélevée, tu vois, avec au moins ouvrir. Parce que là, ouais, je dis ça parce que là, Marty, il est assis dehors et il est couché dehors, il aime bien, tu vois. Ouais, tu mets au pied d'une fenêtre un peu ouverte avec un petit soleil, il est bien. Mmh. Là, c'est monté là, 10 degrés, hein, ce matin, 3. Mmh. On va demander, hein. Mais c'est... après on n'aura plus de vue aussi. Hein. Il faut faire un jardin, mais bien ouvert. Des fois, je me dis que j'aurais dû mourir. Il m'a fait rapide. Hein. Je pense qu'il m'a fait de l'autre côté. Je vais devoir payer un petit rendez-vous à l'année. Dit, un petit 100 euros. Mais c'est de l'entretien. Mais il t'a pas dit de payer. Ah, dans le 17, tu m'as dit à 16h30. Je t'ai noté. Oui, c'est ça. Mais ça va, moi j'ai rendez-vous à 13h30. Je pense qu'il m'a fait de l'autre côté. Il m'a rajouté un pansement. Mais c'est fragile, ce mille. C'est beau. C'est pour ça que ma sœur avait des facettes. Non mais elle a les dents pourries, c'est encore... Mais c'est pareil, c'est limé, mais c'est des facettes. Et le médecin, le dentiste, lui colle pas bien ses facettes, c'est tout. Ça peut se faire un bon dentiste, c'est tout. Pas des charlatans. Les jumelles règnent par la terreur. J'espère que tu vas bien après ce qui s'est passé. Cet endroit est une coquille vide. Je sais pas ce qu'on va faire. C'est toi qui as 9 vies, c'est ça? Désolé pour le crash du train. J'arrive pas à croire que t'aies survécu à ce crash. Tu te lances dans une tâche impossible. T'as le cul bordé de nouilles d'avoir survécu à ce crash. Carmina est revenue saine et sauve. T'as de la chance d'être en vie après ce crash. C'est dingue que les jumelles t'aient pas eu. J'arrive pas à croire que t'aies survécu à ce crash. On n'a pas réussi à ramener l'aide qu'il nous fallait de l'extérieur. Kim a risqué la vie de sa fille pour rien. Le train va plus nous servir. Il avait hyper speed et tout. Je sais pas combien il est là. C'est parce qu'il m'a pris comme ça, tu vois. Il y a forcément d'autres endroits dans le monde où on se débrouille aussi bien que nous. Dans le collimateur. C'est Bean qui a fondé notre groupe de renseignement. Il est gentil, mais il faut toujours être derrière lui. Aux dernières nouvelles, on lui aurait piqué des documents importants. Si tu les retrouves, il trouvera sûrement un moyen de te dédommager. Oui, j'ai un chien, le seul. C'est peut-être le plus important du monde.
Avec les bonnes personnes et le bon esprit, on peut réussir de vrais miracles. Pour chaque colonie construite à l'Ouest, j'ai toujours fait en sorte d'amener des personnes à la hauteur de la mission. Parce que c'est avec des spécialistes qu'on pourra espérer franchir un cap crucial. Sans ça, on n'avancera jamais. Pour l'instant, on manque encore de spécialistes. Mais ils sont là, capitaine. Ramenez-les à Prosperity, et je m'occuperai du reste. Tout ce qui brille, c'est comme une pierre. Ah, il est là, mon petit. Ça me dit bien, ça. Grosse patate. Le mec, il a mis une grosse patate de côté. C'est marrant comme la région me paraît à la fois immense et minuscule. C'est fou comment c'est, ça m'agace, Jules. J'ai vraiment passé l'âge, quoi. T'as entendu là? T'as Brady qui tapait sur des casseroles. J'ai baissé, ok? C'est pas sur toi qui avais entendu. Ouais, c'était pour. Pour des musiques sympas, t'as resté pour Mathis, c'est le bon. Dis, c'est normal qu'il fasse ses vocalises et. Tu as dit qu'il était cool quand même? Allô? C'est Bean, le fondateur de Wikibinia. Allô? C'est Bean, le fondateur de Wikibinia. J'aurais besoin d'un coup de main pour retrouver quelque chose d'important. Dessus? C'est gentil, mais j'ai un chien, parce que... Ouais, j'ai la gangrène, c'est génial. Il vit dans sa montagne. Et puis ça, tu m'as fait un truc de génial. Après, j'ai dit. Les gens du coin sont là. Je sais qu'il va survivre. Content que t'aies de Prosperity. Il faut des boyaux de chèvre. Et au début, il y avait une assistante, une nouvelle. Et après, il y avait la loque qui roulait la fenêtre. Un bruit. Elle fait bonjour. Je suis allongé là-dedans, je l'ai juste déjà vu. Ah, c'est où là, bonjour. Elle dit juste bonjour. C'est toi qui as 9 vies, c'est ça? Je t'ai passé des vies. Je ne sais pas pourquoi personne n'a fait ma proposition. Le Havre, comme nom. J'espère que tu vas bien après ce qui s'est passé. C'est dur de ne pas se laisser abattre après avoir vu ce train et tous nos espoirs s'écraser contre les rochers.
Quel rocher? Est-ce que j'ai une voiture? Salut. De ce que je comprends, le train était rempli de gens intelligents. Comme quoi, faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Mathis. Doucement. J'ai fini mes tests, je fais un tour dehors. Dans une demi-heure, on lui donne à manger et puis on mangera après, peut-être c'est mieux pour faire perdre un peu la graisse. Ouais, la cellulite. La celluloïde. On va demander la cellulite. C'est non, RTL, je t'ai dit, hein. J'ai vu. Tu sais, je suis passé un vélo et j'ai vu une dame, je pense qu'elle était à la météo et tout, genre queue de cheval, bottes blanches, manteau noir. Elle fait un peu. Manteau noir, mais derrière, tu vois, il y avait, et là, il y avait deux gars avec leur guitare et tout à côté, ça se trouve, c'était des chanteurs. Tu sais, c'est un groupe de musique. Ah oui, il est coquin, ton papa, il envoie des gens. Et il a déjà vu Belmondo. Il a déjà vu Vincent Ladon. Après, il a essayé d'en suivre, il ne même pas rendu compte qu'il s'était absenté. Et il a vu Camino. Et qui qu'on a vu? On a vu Mokhtar, Sadovia. Oh yeah! Electronic music. Chemical Brothers. Des trucs qu'on peut reprendre. T'es pas ni mère, mon petit pote. Il y a le marché. Moi, je me rappelle en 95, on a vu Nekfeu. Ça cherche de quoi chercher. Comme un indien. Bon, j'y vais à pied ou quoi là? Il y a combien de kilomètres? 1 km 6, à pied. Le garage, c'est bon, mon quad. T'as besoin de roues, tu nous apportes des ressources et on le fabrique. Ah oui, on est à pied. Ok, il y a une voiture, un bus. Un bus scolaire pour Mathis. Ah, putain, il y a un serpent qui m'a mordu. Mais c'est une sacrée blague. J'ai au bus scolaire, il y a une couleuvre rouge comme ça qui me mord. Tu vois Mathis, ce qui va t'arriver dans la vie? On ne va jamais à l'école. Et comme Jules. Ah, ne casse pas les oreilles. Pour les vieux. Fais un truc pour tout le monde. D'intelligence suprême. D'intelligence de tout âge. Tu veux pas prendre des Lucas toi? C'est quoi cette nature de merde? On est aux États-Unis, il y a des serpents venimeux. Quelqu'un a repris le gars qu'on avait chopé dans le train. Merde, on avait de grands projets pour lui. C'est sûrement un coup des gros nazes de Prosperity. Alors vous savez quoi? Prosperity va payer. Oh non. Quel abruti. C'est bon, ça va aller. On peut dire que j'ai eu de la chance. Ça m'aurait fait chier de mourir comme ça. Merde, comment on s'en est sorti?
bâton. Pouvoir se réfugier à Port Pelletti, ça veut déjà dire beaucoup pour les gens. Bonjour, monsieur. Les ravageurs mangent des chiens. Même quand je crevais la dalle, j'ai jamais fait ça. Oh. Pourquoi je t'ai parlé d'autre? Le mec, il commence à dire, les gens mangent des chiens. Oh. J'ai un bâton. C'est mon arme. Un vieux bâton de bois. Avec même pas un clou, une branche quoi. Super. C'est vraiment la meilleure arme du monde. Ah, il y a un joli serveur. En fait, les ravageurs, elles sont partout les méchants. Il n'y a que moi qui suis gentil. Voilà, c'est... Des plans comme ça, ça sert toujours. Hein? On se rend compte. Oh putain. Couchez-vous. Capitaine, on nous signale que les ravageurs envoient des gens piller les cadavres. Mais c'est des gros trouillards. Ils s'enfuiront au moindre problème. Si vous en croisez un, tuez-le et fouillez-le. Vous trouverez plein de trucs utiles dans son sac à dos. Toi, t'es pas un trouillard, toi. Confonds pas. Féministe est un trouillard. Attention, un gars 40, attention, un chien jaune. C'est un loup, ça? Peut-être un coyote. Territoire de coyote. Oh, les oiseaux, mais c'est stylé, c'est stylé. Après Londres, la campagne avant. Ah, d'accord. Voilà. Bon, tu l'as pété, c'est trop stylé. Un kilomètre à pied. Ça fait chier tes souliers. Domestiquer les animaux. On va faire tout seul. Aujourd'hui, une nouvelle tenue à toi. Ouais, elle est badass. Désaffecté. On va te mettre un coup de gel hydroalcoolique. Pareil, mon coco, on dirait quelqu'un désaffecté. 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 Mais attends, mais moi j'ai plus de points que ça. Ah non, j'ai qu'un point. Désolé, je vois même plus ce qui se passe. J'ai bossé les canards. C'est pas gentil. Regarde les jolis canards. Regarde Mathis, il y en a tête verte, tête rouge. Et elle, marron.
guichet rêve-vous de ouf. Attendez, mon double hip, hippie hop. Bon, il faut trouver un fabricant de... D'accord, la grosse blague. Il faut trouver un fabricant de code de PlayStation Next Gen. Hey guys. Hello guys. Vous avez lesquels code Next Gen autocollant et l'autre vas-y, je vais te couper, toi, si tu veux pas problème, je peux ce que tu fais dans ta forêt. Donc là, pour une petite mission, le replay est disparu, parfait. Tout va bien. Je sens que je vais tomber vraiment sur un truc. Waouh! Ah ouais, c'est à cause de l'explosion atomique. Bon, les news. Biden ou Trump? Mais c'est bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec les lavandes et tout, il y a une espèce de trucs chelous, c'est bon ou quoi? Ans pour je sais pas quoi, donc j'ai pas besoin. Tu veux quoi? Tu veux survivre? Moi je veux pas. Oh, c'est ce que je veux prendre. Et ensuite on va. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, comme une bombe nucléaire quoi. Oh là là. Les mecs ils ont des super pouvoirs en fait. Problème, hein. Ça coupe, ça fait couper la main, faut faire attention. Oh. Moi, il y a un truc, je comprends pas. J'ai le droit qu'à un emplacement d'armes. Okay. Ah, ouais, carrément, quoi. Donc, ça, déjà, je jette. Ah, non, c'est plutôt là. 25 minutes. D'accord, c'est ça. Elle est où la bouche, maman? Tu n'as pas la bouche. Dépoussez, couvrez-moi. Corps à corps, corps à corps. Vide. Ça manque d'idées. Quand tu prends, tu fais des bébés. Hop, carré. Hop, hop, autre, autre, autre. Au galop, au galop, au galop. Trouvez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. Vomit en son petit nez. Il se moque du fermier. Trouvez-moi, coucou, coucou. Je suis caché sous un chou. J'ai une nouvelle arme. Avec un, regarde, une lunette, Mathis. Comme ça, je peux tirer que sur les petits soleils. Enfin, même pas. Je tire sur rien du tout. Que ce qu'il veut m'attaquer, mais il n'y a rien, en fait, qui m'attaque. Juste pour manger un petit œuf. Ah, un petit œuf de saumon. Une fois. Oh, c'est vrai, quand même. Imagine, on mangeait un fœtus. Allez, monte. C'est parti. Ça, c'est des méchants, ça. Salut les gars. Vous êtes gentils ou... Fais attention à toi, étrangère. Pardon? Viens, je te recoupe toi, Green Arrow, là. C'est pas un hasard si le Seigneur a épargné ta vie. Bonjour. On a les Avengers. Il y avait Black Widow, il y a Green Arrow, et il y a... Ouais, Green Arrow, elle m'étonne à la lumière, c'est ça. Et il y a War Machine. Un ami. Je te rappellerai. Je peux même pas leur parler. Et là, la suite Fortnite, la petite pub. C'est bien. Les affaires, c'est bien. Mon père m'a donné 2-3 sons. Ben, je sais pas si c'est une nouvelle carte. En tout cas, peut-être c'est une nouvelle carte. Oh, ben, quel risque. S'il n'y a pas le repère, c'est pas des méchants. Par contre, j'entends. Ah oui, il y a eu du monde.
ça c'est carrément mon truc comment ça. Ça bouge. Quoi? What is the problem? Allô là? Non mais moi je vais pas tuer le loup hein. Tu veux tuer le loup? Qu'est-ce que vous? Vous êtes qui vous? Ah mais je... Assassin avec le streaming, le chat vocal. Active, vous étiez le chat vocal, oui. Oui, on a vu le chat, sans question, alerte. C'est qu'il n'y a pas de son, mon zouzou. Mais bon. Écoute-moi tout ça. Je mourrai un moment. Ouh là, papa est fort. Ça sera super la chair. Il va peut-être une Lucas. Les couleurs. Ah, mais Lucas, c'est du guarana américain. Ça te dit quelque chose, la plante là. Un peu comme mon ail. Et... Faut pas que je serre les dents. Quand j'ai faim, je serre les dents. Il m'a dit ouais, j'ai fait exprès de relever un peu derrière, comme ça vous restez toujours la bouche entrouverte comme Batman. Maintenant je suis comme ça. Faut que je ravale ma salive, voilà. C'est une bonne façon de faire. J'aimerais bien juste voir ce que c'est le ukulélé. Dans mon terme, j'en ai des conneries. Le ukulélé. Ah oui, c'est pour faire des grenades fumigènes, bah oui, je sais bien. Ah oui, c'est pour faire les médicaments de mésothélie, le bougainvillier. Oh, c'est bien pour... Il y a 6 tanches. Oh et oh et. C'est bon, mais... Oh et oh et. T'as vraiment travaillé? Alors, recettes. Qu'est-ce qu'on va mettre dans les recettes? On va reprendre tout. Apéritif, powder. On a de la métal liquide qui colle, la pâte thermique. Le circuit. Des LED, des résistances, des processeurs. Tac, tac, tac.
pourquoi, pourquoi tout c'est si méchant. Ça, ça. Pourquoi, pourquoi la vie c'est fragile. Oh, Jaja. Moi et le Jaja. Il y a Air Jaja. Tu vis dans le sas avec un cookie. Vive le nuage dans le ciel, t'as compris la métaphore. Hé, Mathis, il y a quelque chose. Parle-lui-toi une dernière fois.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1
Ouais. Comme d'hab, on ne voit pas ce que tu dis. Tu parles depuis la cuisine, non? Papa, pipa, pela, toca. Patocato, cato, toro. Parirolo, 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 parirolo. Bonjour, je viens en paix. Parirolo, 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 parirolo. Bonjour. Bonjour. Mon nouveau bureau, mon lieu de travail, près des chiottes, tout va bien. Mon bébé. Et oh. Viens faire un câlin ton vieux père. Tu veux bouger? Oh. Petite marche, la petite marche de la journée. Il s'arrête de pleurer sur commande. C'est qu'il n'est pas rancunier, celui-là. Pourquoi tu as les yeux tristes? Pourquoi tu bafouilles? Et qu'est-ce que t'as fait ton petit front? Tu t'es pris pour Dr Manhattan? Alors, tu nous as fait des graffitis? Dr Manhattan. Ah merde! Oh putain, con. T'es mon Bougainvillier, toi. T'es mon Bougainvillier. On aurait dû l'appeler Bougainvillier. Pourquoi? Bah, c'est la plante qui soigne. Entre autres, hein, parmi d'autres. Mais c'est la plante gentille. Que la liousse tanche, elle pousse dans les grottes. Allez, mets-toi un peu là. Oh, mon petit cœur là. Je me suis dit que tu veux jouer avec quoi? Pendant une petite demi-heure de pause. Qu'est-ce que tu veux travailler? Tu veux travailler la musique, le dessin, le code? Bou 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 Bougainvillier. Bou 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 Bougainvillier. Allez, petite manette, et on fait comme ça. C'est, ah, c'est peut-être parce qu'il y a trop de lumière que c'est pas bien la manette. Là, la journée, ça va, elle la voit moins. À toi. Casse-couille. Casse-couille.
Et voilà ma photo, Cobra. La photo de mon lieu de travail. Le truc le plus que je kiffe la journée quand je fais mon chandail. C'est là que tu te réfugies. C'est ça, je me réfugie dans mon petit cadre photo. Oh, des beaux yeux. Et dans les yeux de mon coco. Carrément, ouais, on est Far Cry. C'est pas grave. C'est la même. Mais oui, j'ai fait peur. La route est pas tombée. Mais c'est coquin. Mais bien les deux. C'est coquin. Qu'est-ce que tu es là? Toi, descends. T'as tous les canapés, pas celui-là. Je me laisserai jamais. Ah, voilà. Attrapez-la. Voilà. T'as compris. Bravo, mon coup. Ton papa, il est. C'est une grosse tapette. C'est une grosse tapette. Un moment. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, dans la vie, il y a... ni méchant ni gentil. Oh, c'est bien, je vais le trouver. Mon Dieu. Alors, Célène, à ce qui paraît, tu as la gangrène. Depuis le Big Bang de l'univers. Je déconne même pas. Je fais ici, hein. Des plantes, tu vois quoi. Des plantes. Non, pas quel genre, c'est le genre qui marche, ok. Ce genre. Je me baladais avec une trousse de terrain. C'est et... drogué, je me fais tomber. Ouais. Il y a des facettes et tout. Juste au-dessus d'une ouverture dans le sol. Il y a au moins une année entière de mes réserves là-dedans. Cette trousse m'a sauvé d'au moins 8 maladies et 4 infections. Rien que dans les 6 derniers mois. Je peux en faire pousser plus, ok. Mais vraiment, je te dis ça vraiment, juste entre nous. Sans ce que j'ai fait tomber, je pourrais jamais survivre. Je tiendrai pas jusqu'à la prochaine récolte. Je tiendrai nettement en moi sans. Plein de coca. Les gens meurent de n'importe quelle connerie maintenant. Je récupère ma trousse et je m'occuperai de toi et de ta bande. Comme ça, vous mourrez juste de la violence, comme Dieu l'a voulu. Au lieu de crever à marcher sur la rue. Je te veux dans mon équipe. Prenez soin de vous. Congé en eau trouble. Mais t'as vraiment la gangrène? T'as ça, tu fais quoi là? Tu veux que je plonge dans le trou là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais carrément, tu vis dans un silo atomique? Mais t'es malade, c'est une malade elle. Putain, c'est hyper dangereux. Je crois que j'ai un. Ah, mais il y a de l'eau en dessous. Allez, je saute et je déploie mon parachute. On tente? Mais je l'ai fait! Non, mais il n'y a pas d'employé, il est... Regarde, je suis tombé dans tout ça, toi. Merde, je vois pas comment remonter, là. Va falloir t'essayer de trouver un chemin. Je suis tombé de là-haut comme un débile. Ça fait au moins 20 mètres. Combien de mètres? Ah, mais c'est là qu'il faut que j'aille. Straight to the point. To go straight to the point. Bah, straight to the point, c'est regarde comme j'ai sauté haut. Comme je suis courageux. Je vais faire une vidéo là-dessus, ça tourne mal. Non mais c'est pas possible, je serais mort, regarde. Ça je veux dire. Une seconde, regarde, je te dis straight to the point, regarde. Ouais, bah, je serais mort. Pas au film. Mais arrête de dire n'importe quoi. Est-ce que tu serais capable de sauter de ça? Comme de Edouard, c'est un allié de la prison. Je devrais être mort, c'est ça je veux dire. Ah oui? Bah, voilà. Straight to the point. Non mais ça fait Batman.
Il faut que tu s'échappes des prisons. Oui, c'est vrai, oui, c'est bravo. Bravo, Kim. Allez, je t'invite à dîner comme de la housse au pied de cochon. C'est pas ce restaurant, c'est avec cette réponse. Les enfants. Tu veux que je tourne ça? La clignote, tu veux que je fasse un truc et le. C'est toi qui as posé? Il l'a mis là, regarde. C'est toi? Non. C'est toi. T'es trop bien, mon bébé, t'es trop intelligent. C'est ça, non, tu veux pas toi ça? C'est plus doux. C'est mieux. Comme tu veux. Et demain, comme papa. Je te montre. C'est incroyable, c'est exactement ce que tu veux. Tu fais ça. Mathis ? Bien. Mathis ? Fais ça. À toi. Voilà. Main gauche, main droite. Là c'est mon dos mon coco. Il sent... Oui, il est content. On va tirer comme ça. Ah, c'est bon, chouette. Top 1. Je te donne un truc. Est-ce que tu sais? Je me rappelle quand elle était en 99 quand elle disait. Mmh.
des chiens. Là. Ça me gratte le vaccin. Ça reste 2-3 jours. Hein. C'est une petite dose du virus, hein, faut pas croire. Hein. Ça me fait un peu comme un bleu, quoi. Bah oui. Pour qu'il ressort à des émissions. Comment je m'appelle? Qui va déménager. Thank you.
doit faire. Tu lui donnes quoi ? Non. Quoi non ? Le bah, il faut que je t'amène ma presse. Juste que je fasse un petit pied. Donc je te fais le début. Hein ? Je te fais le début. Sinon, comme tu veux, faut juste le tiens le deux secondes, tant que je fasse suivi. Mais je peux lui donner le début. Oh merde, on a pris le bavoir. On fait quoi ce midi des viandes et des raviolis au cèpe? Ah ouais. Tu veux que je commence à faire la cuisine? Bah non, parce que ça c'est hyper rapide, c'est 35 minutes. Ok, ok, baby. C'est bien, tu sais. Oui. J'aimerais qu'on retrouve notre livre qu'on avait au sujet de la vidéo et à Paris. On a eu trop d'énervement ici. C'est toi, hein? C'est vrai, en plus, c'est que moi. Non, mais j'avoue. Partout, hein, t'as la Suresnes, t'as eu des énervements. Contre les voisins, t'as pété un câble. À Saint-Lazare, pareil. Contre les nuages aussi. T'oublies, hein, mais c'est partout. Hein. Où tu vas, Portail, tu fais des problèmes et tu nous affiches par rapport aux voisins. Ouais, je suis pas carriériste. Mais non, mais faut que t'arrives à te canaliser. Canaliser ? Oui, putain. Tu m'énerves. Faut pas t'énerver. Comme ça.
sa plaque et un pain pour réchauffer la compotée. Mmh. Tu feras gaffe. Tu dois finir un truc. Moi, je peux continuer plus tard. Vas-y, vas-y, ouais. Tant mieux. Hein. J'arrête. Moi. Je sais pas si je peux enregistrer. Vas-y, c'est bon. Recharger le dernier checkpoint. On verra bien. Hein. Non, c'est pas. Ok, je vais commencer. Je me suis couvert, j'ai un peu froid, ça y est. C'est que je dois avoir faim. Merci, est-ce qu'on a perdu ? Il nous faut nos 300 grammes de bouffe. Oh, un bonbon, c'est pas suffisant. Ah ouais, d'accord, clairement, je vais commencer par le bonbon. Ah bah, je vais pouvoir sauver les chiens. Donc, prochaine fois. En attendant, je vais mettre un DVD au Caroline.